you do? You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Does everybody parachute now? Donc Wonder Man a récupéré ses pouvoirs et donc là c'est l'occasion de dire à quel point Hans Zimmer ne s'est pas foulé dans sa BO. Cette BO est lamentable et pourtant je dis ça alors que Hans Zimmer est mon compositeur préféré. Mais je n'en veux pas à Hans Zimmer parce que tout récemment, heureusement que j'ai tourné cette vidéo juste après, tout récemment on nous a dévoilé plein de morceaux de composition qui n'ont pas été retenus dans Wonder Man 84 composés par Hans Zimmer. Et ces musiques étaient vraiment cool. Vraiment, on était à fond dans le côté années 80, côté pop, ça marchait parfaitement bien. La musique que Hans Zimmer avait composée de base pour le film était vraiment cool. Mais Wonder Man 84, dans son montage, a choisi les pires morceaux, les morceaux les plus oubliables de ce qu'a fait Hans Zimmer. Par exemple, Cheetah aurait dû avoir une thème de méchante encore plus stylée que ce qu'elle a, mais là, ce qu'elle a, c'est oubliable. Et les musiques du film sont franchement pas mémorables, et en plus, là... Donc Wonder Woman a récupéré ses pouvoirs, elle vole incroyable, alors qu'elle ne vole pas dans BVS, dans Justice League. C'est logique, bien sûr, tout le monde sait ça, que c'est cohérent. Donc elle vole, et d'ailleurs cette scène de vol est lamentable aussi. Regardez-moi la scène de vol de Superman dans BVS qui fait tellement réaliste, on a vraiment l'impression qu'il vole pour de vrai. Là, Wonder Woman, ça se voit que Galgadot est sur un putain de fond vert avec des faux nuages moches. C'est abominable. Et donc elle vole sur la musique du film Sunshine. Oui, Sunshine. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Sunshine, c'est un film qui a une musique culte, et c'est surtout la musique, la chose la plus mémorable du film, vu que cette musique est utilisée pour énormément de choses dans les films, on entend cette musique dans des séries, dans des bandes-annonces. Mais en général, dans une musique, tu ne cambrioles pas la musique des autres. Dans Kick-Ass, ça marche. Dans Kick-Ass aussi, ils ont volé la musique. Mais dans Kick-Ass, ça marchait parce qu'il y avait un objectif parodique dans Kick-Ass. Mais là... On est censé être dans une scène d'émotion forte, où Wonder Man est triste et elle se relève et elle va affronter les méchants, c'est censé être une scène forte en émotion. Je m'attends à ce que Hans Zimmer nous fasse un thème marquant, un thème poignant, et il nous plagie une musique. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont par hasard jamais entendu cette musique, ils étaient émus, ils étaient dit « Oh putain, c'est trop beau, putain, même si les nuages sont moches, c'est trop magnifique, c'est trop touchant », parce qu'ils n'ont jamais entendu la musique, mais moi j'étais en mode « Mais... vous vous foutez de ma gueule, c'est une parodie, vous utilisez la musique d'un autre film, et c'est Hans Zimmer qui utilise la musique d'un autre film. Pardon, je rêve ou pas ?» Donc voilà, donc cette scène est absolument immonde parce qu'ils ont plagié une musique, voilà. Et donc Wonder Man arrive enfin, et donc Wonder Man juste avant dans le film, elle nous avait dit qu'elle avait une armure, qu'elle avait trouvée l'armure de la grande guerrière Asteria, qui n'existe pas dans les comics, d'ailleurs c'est un personnage inventé juste pour que Linda Carter fasse un beau caméo à la fin pour dire coucou, j'étais la Wonder Man de la série télé, on en parlera plus tard. Donc elle nous a dit que cette armure est très puissante, qu'elle est très solide, que ça a bloqué énormément de sparses d'hommes qui ont essayé de tuer les futurs Amazones. D'ailleurs je crois qu'ils ont réutilisé les costumes de 300 pour ce petit flashback, ce qui était plutôt cool par contre. Et donc, Wonder Man va utiliser cette armure pour le grand combat final. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle utiliserait cette armure pour le grand combat final, on ne sait pas. Elle va utiliser cette armure, on se dit que cette armure aura une utilité capitale. D'ailleurs, cette armure qui est inspirée du comics Kingdom Come, d'ailleurs, l'armure est plutôt cool en vrai, mais cette armure ne sert à rien, parce que là, du coup, on arrive au combat final. Donc, il y a Maxwell Lord qui contrôle toutes les télés de la Terre et qui demande à tout le monde de faire des vœux, en fait. Déjà, je me demande comment les gens qui ne parlent pas anglais font pour savoir que Maxwell Lord leur demande de faire des vœux. Donc il y a déjà ça comme question à se poser. Les non-anglophones, comment ils font, vu que le gars parle anglais? Donc comment font-ils? Ben eux, ils sont délaissés, c'est pas grave, hein, tant pis. Et donc Maxwell Lord demande à tout le monde de faire des vœux, donc tout le monde fait un vœu. Et donc je me dis bien, si tout le monde fait un vœu, j'imagine que le monde est en train de partir en couille. J'imagine qu'il y en a qui ont dû souhaiter la mort de personne, il y en a qui ont dû souhaiter d'être riche, il y en a qui ont dû souhaiter de retrouver des morts, d'autres qui ont souhaité que des personnes meurent justement, donc ça doit être le chaos. Mais au final ça a l'air d'aller,
ça peur d'être trop chaotique en fait. Et donc voilà, certes, c'est complètement incohérent également. Les vœux que. Il n'y en a pas un qui fait au moins un vœu qui pourrait tuer la planète. Genre, il y a forcément un gars qui n'aime pas la planète qui a dû faire le vœu de détruire le monde, par exemple. Non. Donc pour moi, ça n'a aucun sens le coup de tout le monde faire un vœu. Et bien sûr, aucune personne n'a des vœux malveillantes, nocives envers la planète, bien évidemment. C'est logique. Et donc, il faut savoir que dans le film, on a une règle, c'est que t'as pas le droit de faire plus qu'un seul vœu. Et donc, Max Holland accepte quand même de donner un vœu à Cheetah, qui est le fait de devenir une Apex Predator, c'est-à-dire de devenir, la créature supérieure, en fait. La plus supérieure qui soit. Et ça donne Cheetah, un guépard. Donc voilà, ça, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée de comment elle devient Cheetah, pourquoi pas, qu'une créature supérieure soit ça. Mais pour moi, si elle est censée être la créature supérieure, elle est censée être imbattable, je suppose. Bah oui, supérieure. Bref. Mais pourtant, elle est battue à la fin, mais bref, c'est complètement débile. Et donc voilà, Wonder Man arrive, elle défonce les méchants soldats, et elle affronte Cheetah dans le noir, parce que Cheetah, elle est très dégueulasse en effets spéciaux, vu que... D'ailleurs, ils étaient à fond pour dire que Cheetah était fait en prothèse. Il y a des images, je sais pas si je vais vous les montrer. Les trois quarts du... À part les cheveux, quasiment tout a été refait en effets spéciaux, donc le personnage est en effets spéciaux, quoi. Donc voilà, combat final de nuit parce que Cheetah serait certainement bien plus dégueulasse qu'elle ne l'est déjà de jour. Donc voilà, combat final de nuit avec Cheetah qui est très très méchante et qui va vouloir tuer Wonder Man parce qu'elle veut annuler les vœux. Et donc voilà, t'as ce combat final où tu t'attends, putain, Cheetah c'est la pire ennemie de Wonder Man des comics. T'as déjà, après son design n'est pas trop dégueulasse, je trouve, elle a un bon design. C'est juste que les effets spéciaux sont nuls, sont lamentables comme j'avais déjà dit auparavant. Donc il y a un combat, je m'attends à ce que ce soit un combat bien mis en scène, c'est comme les deux Némésis des comics, et c'est mal filmé, mais c'est incroyable comment c'est mal filmé, hein. Incroyablement mal filmé. Et donc, Tamota Cheetah qui bat Wonder Woman, qui démonte ses ailes, donc déjà son armure à Wonder Woman n'a servi à rien, il n'y a pas d'habilité supplémentaire. A priori les ailes de Wonder Woman avaient empêché les hommes de tuer toutes les femmes de Themyscira il y a des milliers d'années avant, mais apparemment quand c'est Cheetah, ben, les ailes sont démontées bien évidemment, et donc l'armure n'a servi à rien du tout. Merci cette armure qui a fait toute la promotion du film de n'avoir servi à rien du tout. Évidemment que ça rend le film encore meilleur, bien sûr, merci à toi, armure inutile. Donc voilà, l'armure n'a servi à rien, et Cheetah donc est en train de démonter Wonder Man. Et donc au bout d'un moment, les deux tombent dans l'eau. Et là, il y a un petit câble électrique, et donc Wonder Man va s'en servir pour électrocuter Cheetah. Et donc, l'eau entière, donc quand tu électrocutes quelqu'un à l'intérieur de l'eau, toi aussi tu es électrocuté, justement, parce que l'eau est conducteur, justement. Donc Wonder Man aurait dû être, elle aussi, électrocutée, mais là, il y a une justification, c'est parce que Wonder Man est la fille de Zeus, et donc la foudre, ça ne lui fait rien. Ce que j'accepte, mais n'oublions pas que Cheetah a les mêmes pouvoirs que Wonder Woman. Donc pourquoi Wonder Woman, elle, résistera à la foudre, mais pas Cheetah? La pierre des rêves a des limites, a priori. A priori, tu ne peux pas avoir les pouvoirs de Zeus, alors que la pierre a été créée par un dieu, en plus. Niquez-vous, tout simplement. Voilà, après un combat complètement mal filmé, Shakikam à plein nez, on comprend rien de ce qui se passe, et où Cheetah est battu comme une merde et n'est pas la méchante principale du film, eh bien, Wonder Man va aller affronter Maxwell Lord à la fin. Maxwell Lord qui est pas gentil, qui est très très méchant, et a priori il y a du vent. Il y a du vent qui emporte Wonder Man, je sais pas pourquoi, il y a du vent. Et donc Wonder Man pète la caméra, donc les télés sont éteintes, et là t'as Max Lord qui est devant, qui va se placer vers un espèce de répulseur pour que tous les gens l'entendent et pour qu'il continue à faire des vœux. Ce répulseur, on sait même pas ce que c'est. A priori, c'est pour que le son soit encore là et pour qu'on l'entende encore, je sais pas. Mais bon, il y a ça. Et donc là, t'as Max Lord qui est très très méchant, qui fait les vœux. Et donc, il y a Wonder Man qui met le lasso de vérité sur son pied. Et donc, à la limite, j'accepte. J'accepte à la limite parce que c'est plus cohérent que le message de l'amour des films d'avant, vu que du coup, comme il utilise le lasso de la vérité, et que le lasso de la vérité, ça hypnotise plus ou moins les gens. Donc là, j'accepte, pour le coup. Donc c'est normal que tous les gens aient abandonné leur vérité, parce que le lasso de la vérité, c'est un truc qui manipule les esprits, donc, à mon avis, allez, ça passe que tous les esprits soient manipulés, du coup, donc ça, j'ai pas trop de problème avec ça, avec la résolution de ça. C'est surtout qu'on nous replagie une musique, mais cette fois, une musique de Hans Zimmer, la musique de Beautiful Lie, de Batman vs Superman, réapparaît dans cette scène, ce qui est cohérent, parce que du coup,
Parce que du coup, Maxwell Lord est un menteur et donc le but c'est de corriger ce mensonge et donc c'est ce qui est. C'est, donc c'est le cas et donc la musique est pertinente, mais. Putain, Hans Zimmer, t'as plus d'inspi, t'es obligé de récupérer des musiques. Sans déconner, en plus, Wonder Woman 84 ça ressemble absolument pas à BVS, donc je trouve que ça fait giga tâche. Mais merde, Hans Zimmer, mais c'est quoi cette flemme? C'est quoi cette flemme? Sans déconner, deux fois qu'il reprend des musiques déjà préexistantes. Putain de merde. Et donc voilà. Et donc Max Lord se rend compte que son fils est en danger, donc il va devoir le sauver. Bien sûr, ce n'est absolument pas stéréotypé, c'est complètement logique. Et donc voilà, Max Lord abandonne, il n'est plus méchant, Wonder Woman a gagné. Voilà. Et donc Maxwell Lord, donc a priori le gars a abandonné les vœux, mais a priori il a toujours droit, il est toujours autorisé à être conduit par un hélicoptère de la Maison Blanche, c'est logique, cohérent, ça se sait. Et donc Maxwell Lord est déposé dans une espèce de pelouse, et comme par hasard c'est pile poil là où il y a son fils. Mais mon Dieu, dans toute la planète entière, mais quelle cohérence, mais quelle que c'est logique que tu pile poil là où tu atterris, il y a ton fils justement. Et là, ils se font des câlins, ils se disent « Mon fils, j'ai été méchant, ne refais pas comme moi, je vais te prouver que je suis un bon gars. » Et bien sûr, Maxwell Lord, qui a sûrement causé la mort de beaucoup de personnes et qui a causé énormément de problèmes dans la planète entière, ne sera pas arrêté et vivra une belle vie avec son fils, bien évidemment. Parce que c'est un méchant pas trop méchant. Bien sûr, c'est logique. Et donc Cheetah, elle a perdu son premier pouvoir, le pouvoir elle était en Cheetah, mais elle a toujours le pouvoir comme quoi, mais a priori elle a toujours les pouvoirs de Wonder Woman par contre, vu qu'elle est, elle a toujours son design d'elle en belle entre guillemets. Ce qui pourrait dire que du coup Barbara Cheetah a la longévité de Wonder Woman et ne peut pas vieillir, est-ce que vous voudriez dire qu'on pourrait la voir dans un Wonder Woman 3 dans le présent du coup, vu qu'elle ne pourrait pas vieillir comme Wonder Woman. Parce qu'il faut savoir que Wonder Woman est âgé de quelques milliers d'années justement. Et donc voilà, tout est bien qui finit bien, et ensuite on retrouve Wonder Woman dans un endroit enneigé, à Noël a priori, on voit des ballons gonflables, on voit des sapins. Donc voilà, pourquoi, on ne sait pas. Tout le film s'est déroulé en plein été, parce qu'il faut savoir que le film devait sortir en juillet 2020. Donc c'est normal que le film devait sortir en été, vu que le mois de juillet est le mois classique des films Wonder Woman du coup, depuis le premier. Mais on a une scène à Noël juste après, on ne sait pas pourquoi, Noël, pourquoi. Quel est le fuck? Eh bien, c'est tout simplement parce que Wonder Woman 84 est sorti en décembre à cause du Covid, et donc que cette scène est un reshoot. Que cette scène a été faite juste après qu'on savait que, dès qu'on savait que le film allait sortir en décembre, du coup. Et on voit même, il y a des cameos, on a le fils de Patty Jenkins, je crois, on a les filles de Gal Gadot, je crois. Voilà, des petits cameos comme ça. Donc on a cette scène qui se déroule à Noël, donc ce qui est en total déséquilibre avec tout le reste du film qui se déroulerait en été. Donc merci pour ce truc qui servait à rien, et puis c'est la pire justification du monde. Ah bah merde, notre film va sortir à Noël, bah on va mettre une scène de neige. Les gars, Shazam était un film de Noël et il est sorti en avril. Voilà. Cette scène se déroule à Noël et là, comme par hasard, il croise le gars qu'elle avait violé, le gars dont Steve était dans le corps. Et bien sûr, pour qu'on le reconnaisse, il est habillé comme si on était en été, avec juste une petite veste, bien sûr, pour montrer quand même qu'on est un peu en hiver. Ce qui est complètement cohérent, tout le monde s'habille comme lui quand il neige, bien évidemment. Non, voilà, comme si on n'était pas assez con pour cramer que c'était lui, bien sûr. Mais voilà, au-delà de ce heureux hasard de ce style vestimentaire complètement raté, ben voilà. Et donc voilà, t'as un ballon qui vole, un ballon en forme d'étoile qui vole, on sait pas c'est quoi la signification, et le film se termine. Et on voit Wonder Woman voler avec son petit monologue en fond, avec où elle vole sur des nuages moches, encore une fois, et donc le film se termine et elle vole. Voilà. Et ensuite, on a une scène post-générique avec Linda Carter, qui est en fait la mystérieuse guerrière qu'on pensait morte, Asteria, dont Wonder Woman avait utilisé l'armure pendant une partie du film. Vous vous rappelez, cette armure qui ne servait à rien. Et donc, Asteria est là, à Noël, elle a sauvé des gens. C'est une petite référence sympatoche, voilà. Se dire qu'avant Wonder Woman, il y avait une autre Wonder Woman encore plus ancienne qu'elle. Et voilà. Et ça se voit que c'est un reshoot vu que c'est quasiment les mêmes décors que la dernière scène de Noël, vu que cette scène aussi là se déroule à Noël. Et là le film se termine, là tu te dis fin du supplice, enfin, oh putain c'était dur, ouais.